Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Architecture, épisode 12, la construction. Aujourd'hui, je suis sur Mainland pour faire cette magnifique intro. Ouais. Et derrière moi, comme vous pouvez l'apercevoir, se trouve un bâtiment qui se trouve être la gare de la capitale. Donc la capitale qui est là, voilà, les gros murs en bedrock, boum. Et donc on a ici juste la sortie, la gare. Magnifique gare, inspirée de la gare de Valenciennes, made by UKP59, hein, qui a donc proposé une version. Et donc aujourd'hui, l'épisode justement, donc ça va je vais non pas reconstruire la gare exactement pareil, ça servira à rien, mais je vais faire ma propre version, parce que moi, j'estime qu'il y a des choses chez lui qui sont très bien, j'estime qu'il y a des choses que je n'aurais pas fait du tout comme ça. Par conséquent, voilà, j'en reconstruis une autre, qui peut-être sera plus réaliste, peut-être sera encore plus moche. Non, encore plus, c'est méchant, hein. On est d'accord, voilà, peut-être qu'elle sera plus moche, donc, mais qui me correspondra mieux. Ouais, c'est ça. En gros, ça va être une comparaison, un challenge, UKP59 vs Erkalys. Non, je deviens complètement fou, là. Bah voilà, donc je vais retourner dans le monde de la Minute Architecture et on se retrouve donc tout de suite. À tout de suite. Et on se retrouve sur le monde de la Minute Architecture après cette petite visite pour la construction de ma propre version de cette gare. Et j'ai les blocs en main, nous allons commencer. Il y a tellement de... Faut que ça soit dramatique, vous comprenez, c'est... Bon non, je déconne. On y va. Ouais tiens, j'étais AFK. Faut que j'enlève ce plugin, il sert à rien. Alors, au passage, bonjour à la caméra, comme d'habitude, vous avez l'habitude, et oui. Et nous allons commencer. Comme ceci. 5. Ensuite, on a 1, 2, 3... Donc j'en ai mis combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va être grand. Je fais de mémoire, hein, donc c'est vraiment... 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est assez compliqué. Time day, voilà. C'est bien de commencer les épisodes, vas-y, ouais, c'est la nuit. On est fou, on est complètement fou. En face, ici on va faire pareil. Comme ceci, donc ça c'est le première partie du bâtiment. Ensuite, on va régresser de 1, 2, 3, 7, 8, c'est bien 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va remettre une partie comme ceci, 4, 5, 6, ouais 6, 7, c'est bien 7. Pourquoi 7 ? Enfin, c'est une question de fenêtre en fait, hein. Donc, comme ceci, la même chose de l'autre côté. On va y aller comme ça. (5, 6, 7, 8), je vais dire. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte trop bien, hein. Ah ouais, je compte trop bien. C'est tellement la fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça fonctionne aussi. Si je me suis pas fail dans la symétrie. Et elle me paraît un peu écrasée. Ouais, je vais rajouter de la largeur. En fait, je vais commencer à faire ma première ellipse. Je vais rajouter de la largeur. À tout de suite. Voilà, c'est déjà un tout petit peu mieux. On va passer au pilier. Parce puisque nous avons des piliers à construire en effet. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est vraiment de mémoire, je pense que je vais, enfin quand même, la prochaine fois que je fais une ellipse, je vais regarder le modèle, parce que ça me fait un petit peu peur. Au pire, c'est une interprétation, hein, c'est comme le Grand Palais, hein, désolé, le Grand Palais ressemble pas vraiment à ça, mais j'en suis plus ou moins, mais... 1, 2, 3, 4, voilà, 4 de haut partout, sur tous les piliers... C'est joli, c'est super, de la smooth sandstone, pourquoi je ne sais pas. Hop, 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 allez, plus quelques-uns, courage. Après, il y a aussi un problème qui va se poser lors de l'aménagement, c'est que... c'est pas commencé à l'intérieur. Donc c'est, je vais reprendre l'exemple du Grand Palais encore une fois, je pense qu'on va faire un truc assez freestyle. Maintenant on va passer aux briques, mais alors les briques ça va être spécial. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de détails sur ce bâtiment, donc il va falloir quand même poser des briques. Donc je regarde ici, normalement on a... ah, je crois que j'ai prévu. Est-ce que j'ai prévu 1, 2, 1, 2. Hop. Comme ça. Oui, c'est bon, c'est prévu. Donc, pas de problème. Je me souviens même plus ce que j'ai fait il y a 10 minutes, quoi. Enfin, il y a encore 10 minutes, je suis gentil, c'était à 2 minutes 30. Là, ça va être des briques. Là, ça va être une brique. Un truc. Une fenêtre. 2, 3, hop, une brique. Ça c'est une interprétation aussi, parce que normalement il y a deux fenêtres il me semble. Ici il n'y aura rien, ici il n'y aura rien aussi. Sur ces côtés on va toujours faire comme ça. Hop, de grandes fenêtres très hautes. Ah, problème. Là il y a un problème. Vous pouvez le voir, ça signifie que c'est... Je me suis fail. Est-ce que j'ai bien fait 7 de large? Pourtant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc mon problème, est-ce qu'en face c'est pareil? Donc j'ai mal compté. Peut-être qu'en face c'est bon. Vous voyez, en face c'est bon, ouais. Donc ici, c'est ici que je me suis fail. J'ai raté. Mon dieu. Je mérite d'être brûlé. Enfin, faut pas pousser non plus, mais... Donc on va, hop, corriger ça vite fait. Hop, 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 hop. Ah, c'est les joueurs de Minecraft, hein, désolé. Voilà. Parce que je sais plus compter, c'est tout. Comme ceci. Donc, ici ça fonctionne, comme ceci. Ouais. Ouais, super. Je vais peut-être rajouter même un cinquième niveau à ça, à tous les piliers, puis on fera... Ah, ouais, j'ai pas fini les fenêtres. On va terminer les fenêtres, ensuite je... Enfin, le bas, quoi. Zut. C'est vrai que j'avais dit une fenêtre de 3 à cet endroit-là. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est symétrique, c'est un bon point. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une fenêtre de 3 aussi. Ouais, ça j'aime pas. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, il y a beaucoup trop de fenêtres sur ce bâtiment pour qu'on puisse toutes les réaliser dans Minecraft. Hein, ou alors faire un truc vraiment 150 blocs par 150 blocs. Mais c'est plus... Enfin, c'est au-delà de mon niveau, du moins. Et au-delà de la durée d'un épisode de la Minute Architecture. Vous en conviendrez certainement. Voilà. Ça c'est l'entrée, donc ça on enlève les blocs. Ici on va enlever les blocs aussi, d'ailleurs je vais pouvoir dégager le bedrock. On a hop, 1, 2, hop. Ah, problème. Ah bah non, pas problème, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je sais, non mais ça devient vraiment grave, je ne sais plus compter. Voilà. Et ici en face on avait fait une fenêtre de 3 si j'ai... Ouais, c'est bon, si j'ai bien suivi, donc j'ai bien suivi. Donc je vais monter tous les murs, tout simplement, et on va se retrouver donc après dans quelques instants pour vous, même pas quelques instants, dans une demi-seconde, et moi dans 10 minutes. A tout à l'heure. Rebonjour à tous, je suis toujours Erkalys, oui, et donc j'ai terminé de monter les murs, on va donc passer à l'étape suivante, en toute logique. Juste une seule chose qui me chagrine, c'est que sur le vrai bâtiment, il y a de très jolies arches en haut des fenêtres que malheureusement on ne pourra pas reproduire. Donc voilà, ça me chagrine, c'est dommage, on est dans Minecraft, tout est carré, il va falloir s'y faire. Donc là, je pose les fenêtres. Celle-ci par contre, on peut la faire d'arche, comme ça. On peut même la faire comme ça d'ailleurs, parce qu'elle est plutôt comme ça au final, mais ouais. Donc on va faire quand même des arches à certains endroits. Puis on s'occupera du sol. Mettre tout le sol en comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des dalles. Oui, des dalles de stone. Stone. Stone balls. Je sais pas comment ils disent. Slabs. Ouais, c'est ça, c'était slabs. C'est génial l'anglais. Donc, bah, je suis en train de passer des fenêtres, toujours, encore. C'est plutôt encore et toujours. Mais toujours et encore, c'est mes deux meilleurs amis, donc... Hop, 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 hop. Déjà, ce que je remarque, c'est que j'ai dû la faire plus grande que la version de notre cher ami UKP59. Sachant que j'ai à peine de commencer. Donc bientôt terminé le plaçage des fenêtres. Dire après, bon, après je vais peut-être éviter de faire des monuments réels. Je sais pas. De toute façon c'était un style, le style victorien. Parce que oui c'est du style victorien mais du vrai style victorien. Savoir pas le style victorien Bob Lennonique quoi, le style victorien. Enfin je suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire. Mais c'est quelque chose comme ça, voilà, en tout cas le style brick, sandstone et stone, je l'ai déjà fait là-bas, je sais, il me semble. Ouais, je l'ai déjà fait. Mais voilà, quelque chose de plus grand, en plus c'est un bâtiment réaliste, donc tant qu'à faire. Voilà, mais c'est la seule exception, hein. Minute Architecture, le principe c'est quand même de ne pas réutiliser les styles. Alors ici, non, 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 ici c'est de la... ça, hop, 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 et on va placer notre fenêtre comme ceci. Voilà, alors ça c'était pour le premier étage, on va passer au deuxième étage. Non, je suis embêté parce que, ouais, il y a au final... Il y a des... comment dire... Les bâtiments centraux, ils ont effectivement deux étages, mais... enfin, il faut que je re-regarde mon modèle. Alors, je vais regarder mon modèle, et je vais faire donc l'avancée du sol, en demi-dalle. Je vais en chier... Bon, c'est pas grave. À tout de suite. Rebonjour. Donc, il s'est avéré que j'avais en effet un petit problème. Rien de grave, enfin bon, rien de grave du tout, mais c'est juste que donc la gare fait effectivement deux étages, sachant que les fenêtres sur les deux étages ici, en fait c'est juste une seule grande fenêtre, c'est-à-dire qu'en gros on devrait avoir quelque chose comme ça. Là, là les briques, et ici là, ça. Donc en gros si on voulait, enfin ça je vais le faire en, je vais refaire une ellipse donc. Pour corriger ceci, mais normalement on a ça et ici on a deux de moins, c'est à dire que hop 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 comme ceci. Donc du coup on va corriger la fenêtre en mettant de la brique, on a quelque chose comme ça, et ici c'est pareil, ça monte, sauf que ici Alors ça je laisse. Ici les étages sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a bien deux étages distincts, alors que dans le bâtiment central, il n'y a pas du tout deux étages distincts, hein, je dis c'est clairement. Donc ici en fait on aurait quelque chose comme ça. Comme ça, et ici une nouvelle fenêtre. Ce qui m'embête un peu. Non, non, ça va aller. Voilà, ici une nouvelle fenêtre. C'est architecturalement. Donc on aurait quelque chose plutôt comme ça. Donc je vais corriger, faire tout le tour en fait. Et on se retrouve bah, juste après pour continuer la construction, empêcher l'énorme fail que je viens de faire. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, on a donc déjà quelque chose de un peu plus ressemblant. Juste une dernière petite chose que j'avais envie de rectifier au mur, c'est un détail, mais ça me tenait à cœur. C'est ceci. Hop, hop. Parce que le fronton est un petit peu plus large que ça au final, et assez important au niveau de l'architecture totale, on va dire. Donc comme ça on va aussi dégager, on va mettre de la sandstone palisse, parce qu'elle est jolie aussi la sandstone palisse, sandstone rugueuse. Voilà, donc on va pouvoir passer au toit. Juste une petite chose avant de faire le toit, il faut faire le fronton justement. Le fronton, on va le faire comme ceci. Avec l'horloge aussi, hein. C'est très important l'horloge. Hop, hop, hop. Et au-dessus, une dalle. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Non, c'est moche. On a le fronton comme ceci. Ah oui. On va peut-être mettre si quand même les blocs de sandstone lisse comme ceci. Pour pouvoir. Voilà. Et ici. Boum. J'ai un problème là. Ouais, j'ai un petit problème. Alors. 30 secondes. Oh, non, pas 30 secondes. Je vais pas vous faire cet affront. On va passer à autre chose. La construction du toit. Le toit. Alors on va commencer par ces parties-là. On va le faire comme ça. Hop, hop, hop. Ah oui, d'ailleurs. Au passage, on va pouvoir mettre de la sandstone ici. Et on corrigera plus tard. Enfin, si besoin est de corriger. De l'autre côté, on va faire la même chose, de la sandstone, pour pouvoir avoir un toit qui se ferme correctement. Comme ceci. Et donc le toit en stone brick, hein, tout simplement. C'est un toit plutôt sombre par rapport au reste du bâtiment. C'est pour ça que ça rendait pas mal d'ailleurs. Par contre j'ai peur que ça monte assez haut. Ouais, donc ça, le toit, de toute façon ces toits là ils sont très, comment dire, moches. Donc on va les faire, ouais voilà, comme ça c'est parfait, avec une demi-dalle. Et donc, hop, hop, hop. Hop et hop et hop et hop, c'est encore la nuit, tiens. C'est quand même un bout de temps que je suis en train de construire ce machin, même si ça se ne voit pas forcément. Donc voilà pour le toit de gauche. Le toit de droite, on va faire le même. Hop, on met la sandstone pour éviter que ça dégouline. Pas du tout en fait, hein, mais vous m'avez compris. Hein. Ce qui va se passer. Il va rien se passer. Non, 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 c'est faux. Hop, plus on dirait pas comme ça, mais c'est extrêmement compliqué de parler tout seul dans une vidéo. Surtout dans une vidéo architecture. Parce qu'encore c'était une vidéo où tu as disons une aventure où il se passe des trucs, tu es influencé, tu peux commenter ce qui se passe. Donc là on est obligé de commenter ce qu'on est en train de faire, mais c'est extrêmement difficile vu que c'est nous-mêmes qui sont en train de le faire. Et voilà, ça c'était la parenthèse, vas-y je pète un câble. On va placer des barrières ici. Alors ce qui est dommage, c'est que les barrières ne sont pas de la même couleur que la sandstone, mais malheureusement on n'y peut rien. Donc en fait les barrières vont faire tout le tour. Oui, le bâtiment est comme ça, je n'y peux rien, me regardez pas. Voilà, hop. Les barrières, c'est très important les barrières, d'ailleurs. Après, il y a des petites statues, des trucs classiques et tout ça. C'était très important. Mais bon, on est dans Minecraft et malheureusement... malheureusement. Hein. Ça je sais pas, faut que je re-regarde le modèle encore une fois. Donc je vais placer hop, les barrières. Tout le tour. Ça fait bizarre sans le toit, hein, mais après, de toute façon ça va être le même principe. Hein. J'ai fait les toits comme ça, là les toits sur les côtés, c'est. On place voilà, on va mettre une demi-dalle. Hop, hop. Hop, comme ça, puis on va monter comme ça, tout simplement. Étant donné que, le V3, le vrai toit est construit ainsi. Donc, je vais une fois encore vous abandonner. N'arrête pas de nous abandonner, c'est un méchant. Non, c'est pas vrai. Je vais donc vous abandonner pour construire les toits. Et bon, je finis celui-là, enfin cet étage du moins. Et on va se retrouver juste après pour les petits détails, à savoir la petite tour qu'il y a au-dessus du fronton et tout ça. Donc voilà, je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ouais, ça commence à avoir de la gueule quand même, hein. Ça me plaît beaucoup. Forcément, il n'y a pas autant de détails que dans la réalité, mais malheureusement, nous sommes dans Minecraft et par conséquent, il y a des limites, hein. Oui, mais parce que la forme est contraignante, l'idée est plus intense, comme disait Baudelaire. Je cite Baudelaire maintenant, je suis complètement taré, moi. Voilà. Je vais... faire le fronton de l'autre côté parce que je sais même plus s'il y a un fronton parce qu'en fait j'ai une photo qui donne la façade et pas l'arrière, donc au pire il n'y a pas de fronton et tant pis, mais c'est une interprétation, s'il vous plaît, hein, soyons pas j'ai un problème là, non, voyons voir. Non, c'est bon, ça c'est là où il y a la demi-dalle. Hein. Non, la demi-dalle, elle est à côté. Fût. Donc, ça décale. Ça décale. Ça décale aussi. Donc, on va faire comme ceci. En fait, non, ça décale pas. Eux, ils étaient bien placés. Suis-je bête, hein? Répondez pas oui. Non. Bon, d'accord. Vous m'avez compris, hein? Bon. Hop. Hop, hop, hop. On va remplacer, mettre de la sandstone rugueuse. C'est beau. Par contre, c'est vraiment pas un bâtiment qu'on peut faire en survival, du coup, parce qu'avec toute la sandstone lisse, là, le nombre de temples du désert qu'il faudrait trouver, c'est assez impressionnant. Voilà, comme ça. Hein. Non, j'ai pas mis d'escalier. C'était des dalles simples. Comme ça. C'était même... Non, c'était cette taille-là. Je suis sûr? Non, sérieux? Comme ça alors? Ouais, non. C'est strange. Je crois qu'en fait on était ouais comme ça. Bon écoutez, au pire c'est pas super important. Il me restera ensuite donc pour terminer cet épisode. Oh. Ah bah oui, c'était comme ça. Pour terminer cet épisode, il va me falloir le petit détail qui change tout, c'est la petite tour qui a exactement à cet endroit. Donc nous allons construire la petite tour qui a exactement à cet endroit de la façon suivante. Voilà. Ouais, je vais la faire comme ça. Juste, donc, 2 petites secondes. Non, en fait, oui, d'accord. Où suis-je? Où suis-je? Oula, pardon. Oui, donc en gros, c'est même comme ça qu'il faut la faire. Et ben, c'est parti. Alors, c'est pareil, la tour, elle est en couleur grise, elle n'est pas de couleur bois, mais malheureusement on est dans Minecraft hein. Donc ce sera du bois. Oula, qu'arrive-t-il à mes FPS? Ah voilà, merci. J'ai eu très peur. Alors là par contre c'est là que ça va être délicat. On va peut-être mettre des... Ouais, des... Oh, pourquoi j'ai... Voilà, ça lag. C'est pas normal. J'aime pas ça. Qu'est-ce que ça donne là? C'est moche. Il va falloir faire quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, d'accord. Alors on va prendre une glowstone. Where is glowstone? Please. En pack bleu en diamant, non. Décoration. Redstone. Décoration peut-être. Non. Bon, mais scaling news. Non. Materials. Ah bah voilà. Hop. Ah, je peux pas craft. Oh, fût. C'était bien essayé. Glowstone. Leather à glowstone, voilà. Tada. Du coup ça... Ouais, c'est... Ouais. Écoutez, au pire, c'est pas grave, hein. Tiens, d'ailleurs... Non, je peux pas continuer ici. Je vais peut-être... Ouais, bon, allez, le dernier petit changement de la journée, on va faire comme ça. C'est juste pour avoir un raccord au niveau de la façade. Voilà, oups, voilà. Là, les portes. Voilà, donc on est... Boum! Ah, et ça claque. Ça claque, ça claque. Et... Bah écoutez, ouais. Peut-être... Ça c'est juste pour avoir une certaine continuité quand on regarde de par là. Ici, la même chose. Ouais, ouais. C'est de ce côté-là. Mais de l'autre côté, on pouvait le faire aussi. Quoique, ici, ça... Ah non, c'est pas gênant. Si, c'est gênant. Bon, tant pis. Donc on va se dire au revoir hein, sur la construction de ce bâtiment. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ça, j'étais une idée. Voilà. Et donc on se retrouve pour l'aménagement, épisode suivant. Hein, vous avez l'habitude maintenant. C'était donc ma version, erkalysienne de la gare de Valenciennes. En plus, ça rime. Waouh. Et hop, je vide ça. Allez, le dernier bloc. Pour le style. Pouf! Et voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Mais sur la petite tour. La semaine prochaine pour l'aménagement de ce bâtiment. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Salut, salut!